Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la montre The Splatch de chez Mykonos, donc qui est cette montre dans sa version noire ici, qui est une montre compatible Android et iPhone, mais beaucoup plus compatible Android puisqu'il y a une application dédiée. Du coup, deux boutons sur le côté, une prise USB et un écran qui est tactile. Du coup, on va l'activer. Donc, on a l'heure qui est évidemment personnalisable. Voilà. Donc, on peut personnaliser l'affichage de l'heure en fonction de ce qu'on souhaite. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-ci. Et une fois qu'on est dans la montre, donc on a l'affichage de l'heure, la date et le pourcentage de batterie. Hop. Et on va pouvoir aller dans les applications. Donc l'avantage, c'est qu'ils ont vraiment pensé avec des gros pictos. On a vraiment une fonction par pictogramme. Ça ralentit un tout petit peu la navigation. Mais au moins, on n'a pas de souci pour appuyer. Donc on a le journal des appels. On va pouvoir voir directement qui a appelé et pouvoir directement appeler en un clic. Un petit clic pour retourner. On a ensuite le répertoire. Donc on va pouvoir naviguer directement dans les noms et pouvoir les appeler directement sans avoir à saisir et à chercher. On a ensuite le contrôle vocal, donc qui va permettre d'envoyer des demandes. Donc appeler le numéro, appeler telle personne. Donc on va pouvoir gérer en vocal la gestion des SMS, où là on va pouvoir voir les SMS reçus, on va pouvoir en écrire, même si le clavier est pas très très pratique, ça permet de pouvoir faire des petites réponses courtes, en sachant qu'on a aussi des modèles qu'on peut gérer pour envoyer des SMS plus rapidement. La musique, donc c'est pas qu'un contrôleur, on va pouvoir directement la lire. Donc là, la musique est bien sur le téléphone, mais c'est le haut-parleur de la montre qui lit. Le tout toujours en Bluetooth. On a ensuite un petit podomètre qu'on va pouvoir activer pour gérer ses marches. On a ensuite toutes les notifications Android et il y en a quelques-unes. Donc calendrier, vie quotidienne, c'est ce qui on peut les créer soi-même. On a ensuite les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de notifications sur la montre. Et on a enfin des petites applications, calendrier, alarme, calculatrice, anti-perte, chronomètre, enregistreur de son, qui est bien pratique. Et un petit timer. Donc on a vraiment une montre vraiment pratique, en français complètement, très compatible Android, légèrement compatible iPhone. En tout cas moins compatible iPhone, mais elle l'est quand même annoncée. On a vraiment une montre pratique avec une bonne autonomie. C'est la The Splatch de chez Mykonos. Donc Mykonos commence à avoir une certaine habitude des montres connectées, c'est la quatrième. Et du coup on a un produit vraiment intéressant, à un prix intéressant aussi. Moins cher que les smartwatches, puisqu'elle est de base à 129,90. Et donc, on a un produit intéressant, compatible et qu'on vous conseille. Voilà, c'était la présentation de la The Splatch de chez Mykonos.